Salut les psychos, vous allez bien? Moi oui, car aujourd'hui c'est une occasion unique pour relier le monde de la drogue avec celui des séries, tant Breaking Bad aura été une œuvre qui aura marqué sa génération et acquis un statut culte que vraiment personne ne peut nier. Dans la série, comme vous le savez probablement, la méthamphétamine est au centre de l'intrigue tant elle distribue autant d'effonce que billets de banque suivant où vous vous placez sur le marché. Alors je le répète, la série est excellente, mais le traitement de la drogue lui est-il réaliste? Eh bien pour découvrir ça, je vous propose de vous caler tranquillement dans votre canapé, de sortir les pignons de poulet Los Pollos Hermanos et de voir ça ensemble. Yeah, Mr. White. Ah yes, science, bitch. Oh shit, here we go again. Dans Breaking Bad, on montre plusieurs fois des petits ateliers artisanaux pour pouvoir cuisiner la meth. Et bien c'est un premier bon point pour la série, car s'il est difficile d'obtenir un niveau de pureté très élevé à la Heisenberg, il est en revanche assez facile d'obtenir un score satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle des chimistes amateurs se sont mis dans les régions rurales, par exemple aux États-Unis, en Europe de l'Est ou en Asie du Sud-Est, à cuisiner eux-mêmes, et donc de tels petits labos clandestins existent réellement. Petite anecdote supplémentaire, c'est de là notamment que vient le surnom de la méthamphétamine, stovetop, qui veut dire en anglais littéralement au-dessus du fourneau et qui montre bien qu'elle est cuisinée de manière artisanale. Seriously, what the fuck are you doing? Alors, les cuisines clandestines, c'est marron 5 minutes, mais la série bifurque très rapidement vers des superstructures installées en sous-sol avec une technologie à la pointe, vraiment dernier cri. Et bien là encore, la série ne se trompe pas, car en effet, le marché mondial est produit par de tels laboratoires qui sont non pas, comme on pourrait le penser, sur des pays adjacents au territoire de vente, mais qui sont carrément sur place. Ce comportement s'explique très facilement, car pour les trafiquants, il est vraiment beaucoup plus simple de produire directement sur place plutôt que de se frotter à la frontière, à l'armée, aux douaniers et aux contrôles en étant chargés comme des mules. Son thème oblige, la série nous montre dans plusieurs épisodes des consommateurs de cannabis, d'héroïne, R.I.P. Jane, et bien évidemment de méthamphétamine, ce qui est plutôt logique. Difficile de ne pas évoquer Tuco et ce fameux couple de junkies vu la qualité des épisodes les mettant en scène et leur impact sur le public. D'un côté, le caïd mexicain est décrit comme un consommateur paranoïaque en proie à de véritables crises de violence sous substance. De l'autre, le couple de tarés ressemble très fortement au stéréotype du camé qu'on a en général, c'est-à-dire des personnes dans un état physique lamentable qui ne sont même plus en mesure de tenir leur maison, leurs relations et leur vie en général. Ce que l'on peut voir, c'est que les deux exemples sont extrêmes, bien que diamétralement opposés. Si une grosse dépendance à la méthamphétamine peut effectivement entraîner un comportement violent à la Tuco, les effets du cristal ne correspondent pas du tout aux agissements des deux pauvres âmes. Croyez-moi, avec des enfêtes, leur maison serait vraiment rangée au carré et serait propre comme un sous-neuf tant ils auraient vraiment d'énergie à revendre. D'un autre côté, la série explique cette situation en rajoutant l'héroïne dans l'équation et là, d'accord, ok, cela peut sonner comme plausible. Dans tous les cas, apporter un peu plus de nuances aurait pu être bénéfique. En réalité, la meth est utilisée majoritairement par des gens ayant des emplois du temps très très chargés avec parfois deux ou trois jobs et des journées plus que longues. Rajouter à cela des enfants, un conjoint ou des proches malades, et il devient vite impossible de gérer un tel quotidien à moins d'inventer la 25e heure. Pratique, mais impossible, vous en conviendrez. Pour toutes ces raisons, certains n'hésitent pas à se tourner vers la meth pour être beaucoup plus productif et énergique en journée. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais dans la vie de tous les jours, nombre de personnes sont des drogués fonctionnels et il n'y a vraiment aucun indice qui permette de le deviner. Après, attention, je ne dis pas que cela efface les risques liés à la consommation qui sont bien réels. Stop it. Get some help. Mais des personnes gérant leur consommation de drogue avec une vie entre guillemets normale, eh bien cela existe aussi véritablement. En plus, vu le degré de qualité de la série, je pense que la création d'un tel personnage n'aurait pas fait tâche. Il aurait été possible de développer un épisode autour du thème des accros du travail, par nécessité ou par une ambition démesurée que l'on nomme « work alcoholic » en anglais. Bref, on est loin des marginaux proposés par Breaking Bad. Franchement, j'aurais bien vu une confrontation morale entre Hank, donc le beau-frère de Walter White qui est agent à la DEA, et une personne dans cette situation. L'homme de loi aurait pu se rendre compte que pour certains consommateurs, la meth n'est pas du tout utilisée de manière récréative et sert de béquille piégée à une existence insoutenable. Après attention, je fais le rageux et je chipote sur des petits détails parce que comme j'ai dit, la série est vraiment plus qu'excellente avec un scénario, des acteurs et une réale en béton. Du coup, si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien évidemment, je vous la recommande très chaudement tellement pour moi, cette série fait partie des meilleures qui ont été produites depuis les 20 dernières années. Allez, quelques petites anecdotes pour terminer, car je sais que
certains pensent que la méthamphétamine est une drogue récente, alors qu'en fait pas du tout, elle a été synthétisée pour la première fois au début du XXe siècle et utilisée majoritairement par les deux camps durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la version allemande répondait au doux nom de pervitine et est encore aujourd'hui assez célèbre car dans les pays de l'Est, la meth produite localement est parfois appelée de cette façon. Pas mal de monde aussi se questionne sur la différence entre les amphétamines et la méthamphétamine. Eh bien, les deux produits sont vraiment très similaires, même si le second est beaucoup plus puissant et a des effets secondaires à court terme qui sont plus propres. Nice. À long terme, la musique est différente car les études tendent à s'accorder vers une accentuation des côtés négatifs, au contraire. No, God, please, no! Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas exhaustive et je vous enjoins de votre côté à approfondir vos recherches sur la méthamphétamine et à toujours mettre en avant la réduction des risques au maximum. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous les psychos, on se dit à la prochaine. Tchuss les potos!